possible de face que de profil. Les ananas de la belle Anna. Aujourd'hui, pas n'importe quelle recette, vite dit, vite fait, l'ananas rôti aux épices, c'est parti. Pour cette recette, il nous faut un ananas bien ferme pour environ 4 personnes, du miel, une cuillère à café de cannelle moulue, 3 clous de girofle, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café d'anis vert, une demi-cuillère à café de vanille, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de cardamome et pour finir, une cuillère à café de fenugrec. Première étape de la recette. Je vais couper les deux côtés de mon ananas. Le talon. Ensuite, les côtés. Je longe l'ananas. Sans trop enlever de chair, bien sûr. Étape cruciale de cette magnifique recette d'ananas rôti, il me faut une grande feuille de papier aluminium, du miel, deux belles cuillères généreuses de miel sur le milieu de la feuille de papier aluminium. Comme ceci. Et je viens saupoudrer de toutes les épices citées tout à l'heure. Vanille. Et ensuite, tout simplement, l'ananas que je viens déposer sur le miel, je l'enroule dans les épices et le miel, comme ceci. C'est gourmand, ça sent très très bon. Une fois cette étape, je referme le papier d'aluminium en serrant légèrement la feuille, un petit nœud bonbon de chaque côté et c'est parti pour le four. Et j'enfourne pour 2 heures à 200 degrés. Et voilà, 2 heures de cuisson au four, notre joli ananas est brûlant, il sent merveilleusement bon. On le déballe de son papier d'aluminium pour découvrir cette jolie petite merveille légèrement caramélisée aux épices. Regardez-moi ça, c'est très très beau. Et nous allons pouvoir couper tout ça soit en tranches, soit en cubes. Moi je le choisis de le couper en tranches. Je vous propose de le servir avec une petite boule de glace ou alors une petite chantilly légèrement sucrée, un petit filet de miel si vous voulez pour rappeler la cuisson de l'ananas. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Les ananas de la belle Anna sont aussi beaux de face que de profil. Une recette comme celle-ci, l'ananas rôti miel épices. Ça sent merveilleusement bon, j'ai qu'une seule envie, c'est de croquer dans la tranche. Retrouvez l'intégralité de cette recette sur notre site tvdchef.com. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est important. Je vous souhaite un bon appétit, à très vite